Bonjour Madame Parent, je suis docteur Bertin, je viens discuter de vos médicaments. Bonjour docteur. Je peux vous déranger un instant? Si c'est nécessaire, allez-y. Alors, donc si j'ai bien compris, ça fait environ un mois que vous êtes sous imatinib, c'est ça? Oui, c'est ça. Bien. Donc le médecin vous a prescrit un comprimé par jour. Quand est-ce que vous le prenez? Le matin, avec mon petit déjeuner. Très bien. Vous avez raison, il faut le prendre pendant le repas, sinon ça fonctionne moins bien. Et avec un grand verre d'eau. Vous le preniez bien comme il faut? Oui, la plupart du temps. Qu'entendez-vous par la plupart du temps? Ça m'arrive de ne pas le prendre. Ah ben c'est pas bien. Si vous n'êtes pas observante, votre maladie risque d'évoluer rapidement. Oui, c'est bien, mais des fois j'ai envie de vomir et donc je ne peux plus rien avaler du tout. D'accord, je comprends. Combien de fois avez-vous sauté une prise au cours de ce mois de traitement? Difficile à dire, je ne note pas vraiment. Peut-être 3 ou 4 fois. Bon. Ce que je peux vous proposer, c'est que vous mettiez une alarme sur votre téléphone portable au moment de votre petit déjeuner. Vous mangez à quelle heure? Vers 8h30. Eh bien, mettez donc cette alarme à 8h30 et comme ça, vous n'oublierez pas de prendre votre comprimé. Vous savez, c'est facile maintenant avec les téléphones portables et c'est important. Bien, docteur, j'essaierai. Ah oui, si vous oubliez une prise, surtout n'en prenez pas deux d'un coup ensuite. Il ne faut pas prendre une prise supplémentaire ni doubler la dose suivante. Vous prenez la dose normale à l'heure habituelle et vous notez l'oubli. On vous avait déjà dit ce qu'il fallait faire si vous oubliez de prendre votre comprimé? Non, vous me l'apprenez. Voilà, donc... Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Allez-y. Le médecin m'a dit de ne pas prendre de moi-même d'autres traitements à côté. J'ai pas osé lui en parler, mais on m'a conseillé de prendre des plantes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, bah si j'étais à votre place, j'éviterais. Les plantes contiennent aussi des principes actifs qui peuvent interagir avec votre médicament. Il vaut mieux être prudent et ne rien prendre. On ne joue pas avec ça. Ah. Il y a quelque temps, j'avais pris un mix de différentes plantes pour stimuler l'immunité. Ça m'avait fait du bien. Je me sentais mieux avec. Bah écoutez, si ça vous avait fait du bien, pourquoi pas, hein? Vous vous souvenez de ce que c'était? Oh là là, non. Je pourrais vous apporter l'emballage si vous voulez. Pourquoi pas? Bon, écoutez. L'heure tourne, j'ai un autre rendez-vous. Oh là là, je suis d'ailleurs déjà en retard. Pas de questions? Non, pas vraiment. Bah écoutez, on se reverra quand vous reviendrez voir votre médecin. Et vous me direz si tout se passe bien. Alors, voici... une feuille mémo sur votre médicament. Prenez le temps de la lire, c'est très bien fait. Sinon, n'oubliez pas de ce qu'on s'est dit, hein, à propos de l'alarme. Merci, docteur. Très bien. Ben, au revoir, Madame Parent. Bonne journée. Au revoir.